Moi, j'étais juriste internationale, tout d'abord à Tokyo. Mais je me posais beaucoup de questions quand même, hein, quant au sens de se lever tous les matins pour faire gagner des millions de dollars à une boîte qui finalement faisait quoi, mis à part répartir les dividendes parmi les actionnaires, payer ses salariés. Donc ça me titillait pas mal. J'avais une envie de sens, un vrai questionnement. Devenir paysan, parce que je préfère ce mot à celui d'agriculteur, devenir paysan. Et on revendique ce mot, qui a été souvent dévalorisé, cutéreux, bouseux, etc. C'est un métier, c'est sûr, on a pour ambition de faire vivre nos quatre enfants. Ça va beaucoup plus loin que la dimension purement économique. Qui en a pas eu ? Qui en a pas eu ? Ce qu'on a essayé de faire, c'est de recréer un écosystème aussi naturel que possible. La nature, elle arrive à produire des écosystèmes super riches, sans boulot, sans énergie fossile, sans intrants, et ça marche très très bien. Et en fait, la permaculture, c'est un système de conception des installations humaines, avec pour objectif de créer des installations qui soient durables et harmonieuses. Et ça s'inspire beaucoup de la nature. On a mis beaucoup de plantes aromatiques et médicinales, comme par exemple cette sauge clarée là, qui sent super bon. Dommage que la caméra puisse pas la sentir. J'enfonce ma main et j'ai une terre de rêve. Les gens qui ont une femme de rêve et les paysans qui ont une terre de rêve. Là, t'as les deux. L'un n'empêche pas l'autre, exactement. On n'aura plus qu'à nettoyer ce lopin de terre-là. Très vite fait, on va faire ça avec le cheval et préparer nos semis d'hiver, donc préparer l'hiver. Alors tu vois, quand ça change de variété, tu changes de panier. D'accord. Pour toute la partie culture, il n'y a plus une goutte de pétrole qui est utilisée. Et ce qui est fascinant dans ce modèle-là, en permaculture, c'est que c'est un modèle qui est plus productif, avec pratiquement pas de recours aux énergies fossiles. Nous, on a fait une partie du job, la nature a fait le sien, et tout ça en vue de créer de l'abondance, quoi. Et on produit actuellement de quoi remplir 80 paniers de légumes hebdomadaires. Pour 5000 m², c'est énorme. Tu peux créer une ferme qui va nourrir 10 familles sur 1000 m², par exemple. Ça ouvre la perspective à tout un chacun, peut-être, de redevenir paysan à temps partiel, des sortes de néo-paysans des temps modernes, tout en gardant un job avec une caméra, un ordi ou prof quelque part. Tu peux consacrer 2 jours par semaine à être paysan dans ton jardin. Viens, ma jolie. Notre petit rêve à Perrine et moi, c'est que cette expérience laborieuse et difficile qu'on vit, on aimerait qu'elle puisse peut-être servir à d'autres pour éventuellement leur faciliter la tâche. Et il faut mettre en place des formations qui soient courtes, qui soient denses, qui soient très pratiques. Le projet Terra Vitae, c'est exactement ça. Je leur explique un petit peu comment nous, on a façonné nos jardins, comment on cultive, on leur donne tous nos petits trucs. Je suis enseignante, je suis prof. Au-delà des techniques, de tout ce qu'on apprend aussi, c'est ça. C'est partir avec de nouvelles, une nouvelle vision du monde paysan aussi, quoi. C'est froid. Moi, je vais pas pousser. Hein. Si on arrivait à faire germer des milliers de fermes Terra Vitae d'un hectare, tu pourrais en imaginer plein qui se logeraient dans les petites niches des tissus urbains, périurbains. Tu crées des emplois. Tu résous des problèmes de santé, tu résous des problèmes de pollution. Donc je suis persuadé que dans un avenir proche, beaucoup de citadins, beaucoup d'urbains qui sont complètement déconnectés de la nature vont faire, comme on a pu le faire nous, une démarche de reconnexion volontaire à la terre. Alors autant imaginer tout de suite les fermes, des fermes d'un nouveau type qui répondraient à l'ensemble de ces besoins sociaux, des fermes reliées, des fermes en réseau en fait. On vit une époque où on a maintenant des outils qui te permettent à la fois un enracinement local et une ouverture sur le global. L'ordinateur et l'Internet sera un outil de travail aussi bien qu'un râteau ou une binette. Alors c'est vrai que c'est du boulot, c'est vrai que t'es fatigué, mais en même temps, tu peux exprimer ton potentiel d'être humain, ta créativité, développer tes aptitudes, ça fait appel à tous tes talents. Souvent les gens nous disent, mais alors c'est revenir à l'âge de pierre, c'est pas revenir à ce qui se faisait avant, c'est vraiment anticiper et créer, inventer le monde de demain et l'agriculture de demain. Moi, j'aurais envie de dire à tous ceux qui sont tentés par ce passage-là, allez-y, on n'a qu'une vie, elle passe à toute allure, faut pas s'empêcher de vivre ses rêves.